Hop, c'est parti pour 12 heures. Régalez-vous sur Motors. Avec déjà une petite intimidation et Nicolas Minassian qui s'empare du commandement. Attention derrière. C'est Marco Andretti. C'est Marco Andretti qui est sorti là. Qui est sorti là. Le freinage derrière, on est déjà en train de se bousculer entre les P2 et les P1. Manifestement, les Porsche sont peut-être fait prendre par une Acura. Oui, il y a déjà une Acura très très bien placée. L'Acura d'Adrien Fernandez et Luis Diaz qui a soufflé la politesse au RS Speeder. Mais quel début déjà. Minassian, il était chaud au départ. Hein. Il y avait une question d'honneur, on va dire, pour ce premier virage entre lui et Lodi. Eh bien, à l'extérieur, il s'est imposé, Nicolas. Qui va terminer le premier tour en tête? Est-ce que du côté de chez Audi, on va essayer déjà de récupérer la tête? Ou est-ce qu'on va se dire, eh bien, après tout, non? Alors, voilà. Ah, mais voilà, c'est Lodi qui a eu. Mais parce qu'il a eu. Voilà s'être fait passer par Nicolas, ouais. Le pilote Audi a complètement levé le pied pour récupérer la trajectoire correcte, on va dire. Et du coup, derrière, on a dû freiner. Regardez, le papa, ouais, Mario. Michael Andretti. Alors, la Peugeot qui essaye de s'échapper, hein, Nicolas Minassian. Il est en train de prendre un bon petit rythme. La ligne droite de derrière le fameux virage numéro 17. Regardez combien ça secoue dans ce virage numéro 17.